à tous et à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais faire l'ouverture de ma big commande de sur chaîne. Littéralement la commande est énorme, il pèse 2 kilos. Fait que c'est parti! Il n'y a pas juste moi qui ai commandé, ma soeur aussi elle a commandé beaucoup de trucs, c'est principalement elle, mais j'ai commandé des trucs. Fait que c'est ça. Tellement gros que ça veut même pas sortir du sac. Ok, donc là j'ai ouvert, il y a vraiment plein de trucs. Fait que je vais commencer par mes choses, puis on va faire ça à ma soeur après. Fait que j'ai commandé un moule en cœur pour faire des petits gâteaux. Donc je vous montre ça. Le fond, il s'enlève pour pouvoir sortir le gâteau du moule. Donc voilà. Avec le fond. Fait que dans le fond, c'était vraiment une big commande, mais tout... on a eu un big rabais, comme on connaissait, comme 40$, mais la commande était énorme. J'ai commandé aussi pas mal de moules, fait que ceux-là, c'est pour faire des genres de petits biscuits. Fait que de plus près, voilà. J'ai aussi commandé un autre pour faire des petite boule de crème glacée en fimo. Je le trouve super beau. Puis j'en ai aussi un autre, mais ça par contre je suis un peu déçue parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Je pensais pouvoir faire des mini cookies, des mini biscuits en fimo. Il est juste énorme. Je pensais vraiment pas qu'elle allait être aussi gros que ça, sinon je l'aurais pas pris parce que je ferais jamais un biscuit croûte. J'ai aussi commandé des tasses avec des petites cuillères à mesurer. Ça c'était dans l'article panier plus, puis c'était couleur aléatoire. Je suis vraiment contente d'avoir reçu cette couleur là parce que c'était quand même une couleur que j'aimais full. Fait que voilà, on a 4 tasses puis 4 cuillères. J'ai aussi commandé un autre que je viens de remarquer, que j'avais oublié de vous montrer. Un autre moule. Fait que celui-là, c'est pour faire un cône de crème glacée, comme un cône de cornet. J'ai pris un case pour iPhone et des cases pour iPad. Fait que là, je vais vous montrer le case pour iPhone, donc qui est en silicone. Mais un silicone pas trop silicone, tu sais, comme full mince, full souple. Il est souple, mais il est comme, il est dur. Donc, comme ça, vraiment pas cher. Donc, voilà. Donc là, les cases pour iPad, je suis vraiment contente parce que j'étais pas sûre si elle allait être en plastique ou vraiment en silicone, parce qu'on voyait pas... j'arrivais pas à voir dans la vidéo, dans les commentaires, que le monde avait s'il était vraiment en silicone. Ici, on a la place pour mettre le crayon de Apple. Donc voilà, c'est en silicone, mais pas un silicone trop souple non plus. Les petits boutons comme ça, avec l'écran qui se referme comme ça. Donc je l'aime full, donc je vais la garder. Parce qu'au début, j'étais pas sûre si j'allais la garder ou pas. Dépendamment si c'est en silicone ou en plastique. Puis j'en ai commandé une deuxième pour mon iPad. Donc ceux-là sont pour iPad Pro 10.5 pouces. Mais ils avaient pour plusieurs autres modèles d'iPad. Moi j'en ai commandé une en silicone encore une fois, mais transparente. Avec les coins comme ça qui fait que ça protège encore plus l'iPad. Autre chose, ce que j'aime beaucoup de Shein, c'est que tous les sacs
sont recyclables. Donc voilà, on a le signe de recyclable. Donc ils sont tous recyclables, fait que c'est pas mal écologique pour la planète. Je vous montre mon dernier article que j'ai commandé. Le reste, c'est tous les trucs de ma soeur. Puis il y a une camisole à ma mère. Fait que j'ai commandé une petite piscine pour mes rats. Donc voilà, comme ça. Un petit bain piscine que tu t'ouvres, tu mets des batteries, tu ouvres ça, puis ça fait comme une petite champlure. Vraiment hâte de l'essayer, puis de voir s'il aime ça ou pas. Je l'aimais vraiment plus comme ça. Ça fait vraiment comme une petite piscine bain au lieu d'être comme un lavabo. Parce que ma mère en a un, mais c'est comme plus un lavabo, puis en même temps, sur chaîne, j'ai vu, il coûtait plus cher en lavabo. Fait que vraiment contente d'avoir celui-là. Je pensais qu'elle allait venir avec un petit panier ici. Mais bon, c'est pas grave. Il est super beau. J'espère que mes rats vont aimer. Puis ils vont vouloir aller dedans. Là, on va passer au truc à ma soeur. Donc, elle a commandé des colliers puis beaucoup de linge. Fait qu'elle a commandé deux fois le collier comme ça avec des trois. Ça, c'est le chiffre 3. Je sais pas si vous voyez parce qu'il n'est pas dans dans votre sens à vous. Mais bref, on a commandé deux comme ça. Plus un comme ça. Mais or. Plus, lui, on voit pas vraiment. Parce que là, je l'ouvrirai pas parce qu'elle va maillir. Elle n'aimera pas. Mais il a de l'air quand même super beau. J'arrive juste pas à voir. Ok, bon, il n'y a rien. Fait que c'est un comme ça. Voilà. Ben, elle a commandé un short comme ça. La qualité du short, je trouve qu'elle est super. Mais moi, c'est pas trop mon style. Les jambes sont beaucoup trop larges. Bref. Aussi commandé des pantalons. Là, j'ai de la misère un petit peu à les comprendre. Ok, ils sont faits larges. Larges des jambes. Mais c'est un pantalon comme ça. Il est quand même beau. Le tissu, il est léger. Il est confort. Il a de l'air confort. Puis, il se resserre avec une petite truc que tu tires puis tu serres. Fait que voilà. Il est quand même beau. Il a pris aussi un genre de pantalon short. Un genre de short cargo, on va dire. Comme ça. Je le trouve quand même super beau. Le tissu, il est confortable. Il est super doux. Je le trouve beau, mais j'ai l'impression que il est fait grand. Mais peut-être après rendu sur elle, peut-être qu'il sera pas trop grand. Là. C'est juste la perception comme ça. Fait qu'elle a pris des shorts aussi. Ils sont faits super grandes, super lousses. Je les trouve quand même belles, mais c'est pas mon style. Je porterais pas ça. Donc voilà, comme ça, avec le petit ça décrit dessus. Fait que là, c'est l'avant-dernier morceau de linge à ma soeur. Après, il reste juste la camisole à ma mère. Fait qu'elle a pris pas mal de pantalons, ma soeur. Ouais. Lui, j'aime moins le tissu. Je dois vous avouer. Là, je le déplierai pas. Mais c'est un pantalon super long quand même. Avec des poches. Voilà. Elle a pris un autre pantalon aussi. Lui, j'aime plus le tissu que l'autre que je viens de vous montrer. Fait qu'il est super long. J'arrive même pas à vous le montrer au complet. Fait qu'il est comme ça avec un petit truc de l'eau. Progress, le petit logo, genre, avec des poches, encore une fois. Pour finir, la camisole à ma mère. Fait qu'au début, je m'en allais lui prendre une small, qu'elle me dit. Elle est tombée sold out, pas longtemps après, elle est revenue en stock, fait que je me suis crouillée à commander. Fait que c'est marqué Sun Sold Signed.
ça nide. Fait que là, j'ai comme pas envie de la déplier. Ok, je vais la déplier, puis je vais la replier par après. Comme ça. Là, je l'ai pas comme déplié au complet. Je vais avoir de la misère à la replier. Mais, ok, bon. C'est une small. Elle a de l'air grande. Elle a de l'air quand même grande, mais pas trop. Fait que j'ai l'impression que ma mère, comme... Je pense qu'elle va être bien correcte là-dedans. Elle est super belle, fait que je suis sûre qu'elle va être... Je trouve qu'elle va être super belle dedans pour cet été. Fait que pour finir, vous allez avoir un petit bonus. Je vais essayer les cases pour mon iPad. Puis, je vous montre ça. C'est le transparent. Je kiffe juste trop. Il est trop beau. Ça fait juste trop beau. Sur mon iPad, on voit super bien la couleur. Quand je veux pas une étui qui est trop encombrante. Encombrant. Super. Franchement, je la trouve super belle, puis avec les coins comme ça, ça protège. Puis aussi, c'est que dans l'écran, je sais pas si vous voyez, mais dans l'écran ici, ça bloque. C'est surélevé, fait que t'sais, c'est les coins qui vont toucher en premier de l'écran, que l'écran. Fait que ça va vraiment venir protéger. Fait que c'est ça qui va à côté en premier, au lieu que ce soit votre vitre qui cogne à terre au plancher. Pied qui risque de casser. Fait que c'est vraiment plus protégé. Voilà, l'étui noir silicone. Ce que j'aime moins de l'étui, c'est que quand je la prends ouvert, puis que, mettons, je me tiens vers le coin, elle est comme un petit peu lousse. Elle bouge un peu, mais ça va. Évidemment, j'ai commandé l'étui, un étui comme ceux qu'il y avait pour mettre le stylo d'Apple. J'ai le stylo d'Apple, évidemment. Sinon, j'aurais pas commandé une étui comme ça. Fait que je la trouve quand même super belle. Le seul petit bémol, c'est que je vois que, oui, elle est un peu lousse. Mais ça va. Je la trouve quand même super belle. Fait que je m'en plaindrai pas trop. C'est minime. C'est pas majeur. Et ici, elle est aimant. Aimantée. Elle est censée être aimantée. Bon, ok. Comme ça. Fait que vous pouvez tenir comme ça. Puis vous avez le crayon d'Apple en haut. Ou de l'autre sens. Puis quand vous ouvrez comme ça, il se ferme automatiquement. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est maintenant la fin. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Puis je vous fais de gros bisous. Bye!